Conférence pour la presse. Solidarité Badelma ak ensemble organisation bloc Insté Soleil prend plaisir pour saluer la presse parlée, écrite, télévisée ak médias en ligne. N'a profité de l'occasion ça tout pour saluer l'équipe sénateur Moïse Jean-Charles qui choisit l'équipe leader ça pour lier ak li pour réaliser gros événement ça cap bien pour fête 18 novembre 2020. N'a voyé un gros coup de chapeau tout par toute leader communautaire, quel que soit Badelma, Pont Rouge, La Saline, Wap Jérémy, Pélé Simon, Fort Dimanche et Latrier, Chancerelle, qui décide de rejoindre nous dans la cause ça à côté que, jusqu'à mercredi 18 novembre, nous prenons le pile béton. Nous prenons manifester pour nous dire non à l'insécurité, non à l'impunité, non à le chômage, la vie chère, non à la corruption. Non à la manœuvre dictatoriale que le régime PHTK a voulu instaurer dans le pays, non à l'ingérence de la communauté internationale là, qui fait silence par rapport à tout ça que le régime ça a posé. Merci. Ok, merci. Je salue la presse, parler, téléviser, écrire et internet. Je salue tout le peuple haïtien. Je salue tout le peuple Badelma, Cité Soleil, La Saline, etc. Donc, maintenant, je suis présent sur la conférence de presse sous invitation Solidarité Badelma, qui gagne la dernière, Delma 2, Delma 4, Delma 6, Delma 8, et Zamor, Delma 3, et Cambébé, et Pélé Simon. Ainsi que Branche La Saline, Pont Rouge, Roi Jérémy, Fort Dimanche et Cité Soleil et Latrier pour nous organiser conférence de presse. Donc, conférence de presse, Livini, DID, ensemble, directeur organisation sociale, Noëlla, qui prend une décision pour continuer du nom avec le régime PHTK, qui est une famille politique qui est immorale dans le pays, avec façon de diriger le pays. Nous prenons une décision, ça à tout. C'est pour nous. Inviter toute la population qui vit dans 10 départements, nous demander pour lever campé, pour dire non avec la corruption, pour dire non avec l'argent Jovenel Moïse a dirigé le pouvoir, et pour dire Jovenel Moïse, pour forcer Jovenel Moïse tout 7 février 2021 pour quitter le pouvoir, parce que 7 février 2021, le mandat a fini. Et nous estimons que le président Jovenel, 7 février, il doit quitter le pouvoir, peuple haïtien, leader politique, nous devons retourner dans l'ordre constitutionnel ancien suivant la constitution 1987 amendée dans l'article 149 là. Cependant, il y a une exception politique qui a porté une modification sous procédure de choix, c'est-à-dire il n'est pas capable de président de la Cour de cassation, il n'est pas capable de vice-président de la Cour, il n'est pas capable de juge qui est plus ancien, mais cependant, c'est le juge qui est plus honnête, le juge qui est plus sage, le juge qui est plus de respect et qui respecte tout le parcours administratif dans le pouvoir judiciaire. Et nous rappelons bien, en 1990, Madame Etta Pascal Touyo était un bon résultat, il était une bonne élection, qui était pour le régime sous pouvoir, même quand. L'élection était bonne, le régime n'a pas de résultat, ce n'est pas ça que nous avons attendu. Mais quand même, il faut nous féliciter, Madame Etta Pascal Touyo, comme présidente qui a fait une bonne organisation. Je dis, après cycle politique 30 ans, c'est même bagaille ça qui peut arriver. Parce que ça fait ça, le système dans les bouts,
si ça n'est arrivé dans Toli, il n'y a pas qu'à continuer encore. Donc, il faut qu'il y ait une nouvelle classe politique qui pour changer le système. Même Jean, petit de Saline Dillan, parce que le système ça, il finit avec jeunesse là, il finit avec vivre peuple haïtien, il détruit toute sa nation à gagner comme avantage. Eh bien, dans ce sens, nous demandons tout le peuple là, 18 novembre, cap date en commémoration de la bataille de Vetière, nous demandons tout le peuple là dans 10 départements pour lever ensemble. Surtout dans les communes qui entourent le département de l'Ouest, les communes qui sont plus près, nous parlons de Cafou, nous parlons de Pétionville, nous parlons de commune Delma, commune Tabac, commune Cité Soleil, première, deuxième, troisième circonscription, et puis ensemble avec Croix des Bouquets, pour tout le peuple ça a levé, 18 novembre, prend direction et ambassade américaine pour y aller dire non avec Mme Lalime, pour y aller demander Mme Lalime pour libérer Jovenel, pour laguer Jovenel, libérer pays en bas Jovenel, Haïti, pas capable encore. Et pour finir, nous demandons à tout le peuple qui n'en bas d'Elma, n'a parlé de La Saline, n'a parlé de Cité Soleil, n'a parlé de Fort Dimanche, n'a parlé de Waf Jérémy, n'a parlé de Village de la Paix, n'a parlé de toute zone qui est dans l'environnement là. Donc le vendredi, qui a dit, mercredi qui a 18 novembre, dans le matin, bien bonnet, pour nous tous venir à Bas-Saint-Jean-Bosco, site là, il reprend place encore, pour nous rassembler là, avec tout le monde qui a sorti dans divers coins, qui a organisé, qui a passé dans le quartier, qui a marché pour le monde, pour nous aller à Fou Aéroport. Pour nous al prendre manifestation Carrefour Aéroport pour nous prendre direction ambassade. Donc pas quoi, n'a sorti là, n'a passé devant chancel, n'a viré sous piste, nous pour tomber en dedans Delma 3 pour nous prendre monde et puis nous pour aller Carrefour Aéroport, nous pour prendre manifestation Carrefour Aéroport pour nous bout devant ambassade américaine. Il y a un peu cap ce nom là peut-être qui dit nous parler de Moïse Jean-Charles qui annonce manifestation qui devant ambassade américaine côté nous là. Il y a un peu de monde qui dit que c'est pour le régime place là. Là où dit le régime place là, on dit Genève là. Et c'est lui qui a proposé des zones ça. Pour ça, il y a un peu de monde qui a saisi là, il a pensé. Il a pas pour faire du presse là. Et puis, souvent, il dit zone ça. Il était comme zone de PHTK. Proche pouvoir. Je me souviens, la première manifestation nous lancée en 2011. Contre Joseph Michel Matéli, nous étions toujours là. Mais il était toujours dit tout. Lundi, c'est pour Joseph Michel Matéli. Moi-même, j'ai toujours bataille. Et là, je mène toute bataille. C'est là que j'ai habité. J'ai toujours bataille contre Matéli jusqu'à ce qu'il allait. Jeudi, la bataille a recommencé encore. Ça passe. Il y a une organisation socio-politique. Il y a une organisation, il y a un leader communautaire, un leader populaire. Il n'y a pas de monde qui constitue. L'Europe organise les manifestations là, ou suppose chiter ensemble avec l'idée, ou suppose chercher. Moi, je suis retenu, parce que quand même, je suis bataille pour rouge. Je suis retenu, je voulais organiser la zone, qui j'en pouvais faire. Moi-même, je suis bataille pour l'opinion. Je suis dit, dans toute partie politique qui bataille, quel est le secteur démocratique, quel est le petit de Saline, quel est la Valas, mon seul projet politique m'a supporté, c'est projet politique et petit de Saline. Moi, je suis un projet politique qui a une décision motivée là-dedans. Qui pour changer le système, non, qui pour changer le pays, pour jeunes garçons avec jeunes filles, car elles en souffrent, pour joindre moyens pour vivre, ça passe rien du tout, monsieur. Ou lever matin, mais mon cas, faut pas qu'à boire. Qui s'en ça gagne? Or, où l'État qui dirige le pays? Le pays, ce n'est pas comme le pas gagne. Donc, c'est pour une question des zones, qui sont zones pouvoir, c'est une question des leaders, c'est une question d'ensemble organisation sociale, leaders communautaires, avec leaders populaires, nos tables gâteaux qui disent non, ils ont bouqué avec le système, je dis, ils ont pris une destination, ils ont commencé la bataille là, 7 février pour Jovenel, aller parce que moi-même en soi, nous avons gardé l'émission lundi 9 novembre, dans l'émission Les Points, qui dit que le mandat a fini 2021, a fini 2022. Mais monsieur, le mandat de Jovenel n'a pas fini 2022. D'abord, premièrement, le président Jovenel a déjà créé un précédent politique à caractère constitutionnel. Côté que, lundi 13 janvier 2020, il voulait 10 sénateurs mandat pour finir, aller sans que le mandat pas fini. C'est-à-dire, si jeudi, il compte qui il est, si 13 janvier 2020, il compte qui il est, mandat 10 sénateurs, ça a fini, lui-même tout, en tant que président de la République, qui l'a pour faire appliquer la constitution, il n'est pas capable de qu'il est mandat fini tout. Vous voulez dire que la manifestation 18 novembre là, de l'aviation, la passé, la montée là. Oui, il a passé toute nos zones là, qu'on ensemble et toute bagnole qui a été mobilisée, particulièrement dans la rue. Oui, la passé dans le quartier populaire, Cité Soleil a rencontré, et puis, n'a descendu, n'a passé. Et bonne chance, n'a pas monté sous piste, nous allons entrer Delma 3 pour nous sortir à l'aéroport. Delma 4, Delma 6 à plat. Toute zone est net à plat. Bah, Delma, toute zone est net à plat. Okay. Organisation sociale, yo. Peuple là. Je dis à l'imander, il faut le libérer en bas Jovenel. Je dis à pas qu'on question de bataille.
Et c'est ça que fait d'apprendre de tout. Toute organisation a mis autour. Entendez mieux pour vous, Jovenel, aller. Parce que c'est Jovenel qui cancer le pays. Et pas n'est que cancer le pays vraiment. Merci. Si c'est Jean Bosco retourné à l'œuvre. Oui, c'est Jean Bosco retourné à l'œuvre. C'est là qu'on a rassemblé, c'est là rassemblement à pied. Bien beau dans le matin. Nous avons invité tout le monde qui a venu. Tout le monde, toute la presse en général, tout le monde qui voulait, ils mettent venu. Pas un rien qui a gagné. Je dis à ce peuple-là qui prend des décennies. C'est organisation sociale, yo, organisation politique, leader communautaire, leader populaire, c'est eux qui prend des décennies. Ce peuple-là ensemble qui dit non. Yo pas continuer vivre dans cette situation ça encore, yo bouqué avec pouvoir ça, yo pas capable garder ton la rue, garder ton pays, grand goût a touyer yo, mais l'école ouvri, yo pas capable voir petit l'école, système nan bout, ce système nan ki kembe comme ça, yo dit faut gen changement, faut que situation changer. Seul moyen pour yo ka changer, jean système nan bout là, c'est voyer Jovenel aller 7 février, aller dans cour de cassation, prend un monde qui sage, qui honnête, qui capable faire l'État à marcher pour venir faire une élection pour gagner un pouvoir légitime qui pour engager dans la bataille peuple pour essayer peuple dans cette là. Rappelez-nous non. Non pas monsieur Espoir Divéguer, conseiller politique solidarité Badelma. Espoir Divéguer, conseiller politique solidarité Badelma qui organise conférence de presse.